Alors bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelque chose qui m'a frappé. J'allais acheter un véhicule et j'ai été frappé par ce modèle. Je vous laisse découvrir cela dans la vidéo. Vous avez souvent entendu parler de rêver. Alors, j'aime bien le dire, il est mieux de rêver réaliste que de rêver utopique. Rêvez à la mesure de vos poches. N'allez pas au-delà de ce que vous ne pouvez pas. Sur ce, bonne vidéo. Salut, je vais vous montrer un petit truc sur lequel j'ai capoté. Façon de dire, sur lequel j'ai tripé. Tripé encore, c'est quoi? Façon de dire, quelque chose qui m'a beaucoup plu. Un véhicule d'une marque très rare, d'une architecture très rare, d'un design assez dispendieux, qu'on ne trouve pas beaucoup, pas tout ailleurs. Donc, je vais vous montrer un peu le véhicule, ça, je kiffe grave, quoi. Donc, c'est juste derrière, en arrière de moi, vous pouvez voir. Le véhicule est très, très beau. Et puis, je me demande si je ne vais pas la conduire. Est-ce qu'on peut en prendre pour une location ou pas? On le saura. Donc, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer. C'est un véhicule qui donne envie de conduire, en fait. Qui donne envie d'aller chercher un permis rapidement à la SAC pour se mettre à conduire si on n'a pas un permis, bien entendu. Bon, c'est une de mes passions, les véhicules. J'aime bien conduire. Conduire, pour moi, c'est la liberté, c'est prendre plaisir, etc. C'est, voilà, aller à l'autre bout du monde, c'est aller à l'aventure. Rien à voir avec l'immigration, mais je vous partage juste une passion en fait. La conduite. S'il fallait se reconvertir, je ferais bien du rallye. Comment vous la trouvez? Elle est belle, n'est-ce pas? Mais c'est pas pour maintenant.